Bon, je vais en profiter qu'il fait beau et puis que j'ai pas vraiment de temps, mais pour vous faire un petit point sur mon arrivée en Alaska. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2023 et puis je suis ici en Alaska depuis déjà un peu plus de 10 jours, presque 2 semaines. Et faut que je mette tout en place. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de temps pour faire des vidéos, mais bon, faut que je m'y mette un petit peu quand même. Alors, pas de temps, pourquoi? Et ben j'ai tout ça à préparer, tous les bateaux qui sont là. J'en ai déjà aussi 3 qui sont dans l'eau. Allez, vite fait en vrac. Ça, c'est mon atelier. Donc un peu de bordel. Alors, je suis en cours de préparation de plein de choses. Et puis j'ai 4 autres connexes qui sont ici où j'ai plein de pièces dedans, ici et ici. Donc plein de pièces à préparer. Et surtout plein de trucs à préparer en même temps. Tout ça avant le début de la saison avec les clients, donc dans un peu plus de 2 semaines. Moi, je dors ici dans ce bâtiment-là, tout proche de mes ateliers. Hop, je vais vous faire voir ma piole. Donc ici, on a une piole, une deuxième piole, la laverie, et là c'est mon chez-moi. Alors bon, mon chez-moi c'est un peu encombré, ça on s'en sert de stockage, et ici c'est ma piole. Et oui, je vais me reculer. Oui, j'ai une tente plantée à l'intérieur du bâtiment. En fait, c'est juste la moustiquaire. Puis ici, on a beaucoup de moustiques. Donc moi, je dors, voilà, derrière cette moustiquaire. Comme ça, les moustiques, ils viennent pas m'embêter pendant la nuit. Alors, il fait pas très très chaud, hein. On est quand même début juin et ici, bon, j'ai pas de chauffage et il fait à peu près 7-8 degrés dans ma piole. Bah, oui, c'est comme ça. Et ici, petite vue, on voit pas très bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà des petites montagnes dans le fond. Ouais, j'aime bien voir les montagnes. Il y a encore beaucoup de neige sur les montagnes là-bas. Je suis arrivé ici, on avait encore de la glace sur la rivière. Donc ça, ici c'est le fleuve Kuskokwim qui passe comme ça. Et puis par là-bas en fait, la rivière Agnac, et la rivière Agnac était encore complètement prise par les glaces et ça charriait tous les morceaux de glace sur le Kuskokwim. C'est la première fois que je viens en début de saison où il y a encore de la glace sur la rivière. Allez, on va aller faire un petit tour de l'autre côté. Je vais vous faire voir quand même. Donc ça, faut que je m'en occupe. Je vais chercher toute la bouffe à l'aéroport avec ça. Ça va falloir que je m'en occupe aussi, le bateau évidemment aussi. Ça, je m'en occupe plus, ça c'est mort. On va traverser la route. Ça, faut que je m'en occupe. On a des petites fuites, mais on s'en sert. Ça, on s'en sert aussi pour aller chercher les clients. Tiens, ça c'est Bruce qui passe. Et ici, c'est ce qu'on appelle le Welcome Center, donc où on accueille les clients quand ils viennent en leur début de semaine. Ici, on a un des guides, Taylor, en train de préparer des petits trucs. Et c'est surtout ce bâtiment-là, en fait, où on accueille les gens et ils viennent faire en fait un petit débrief en début et en fin de semaine. On a aussi un bâtiment là. Alors, tous ces premiers jours, comme ça, j'ai déjà eu besoin donc de mettre tout en eau. Ici, l'hiver, il fait très froid, donc ça gèle. Actuellement, comme il fait encore un peu frais, la terre, elle est toujours gelée.
Alors, ce qui apporte une bonne chose, c'est que on n'a pas encore tous les moustiques. Bonjour. Ça, c'est Taylor aussi, c'est le chef guide des pêcheurs. Donc, première partie de mon travail, ça a été de remettre en eau donc tous les bâtiments. Dégeler les canalisations qui sont dans la terre. On a un petit appareil spécial pour ça qui semble un petit peu à une machine à souder à l'arc, par exemple. Et on met ça de chaque côté des tuyaux jusqu'au puits, et puis ça, on laisse ça chauffer, et puis ça dégèle les tuyaux. Quoi d'autre? Bah bon, je vous laisse terminer sur une petite vue du Kuskokwim. Donc là, le niveau très très haut. En bas, là, on a quelques bateaux qui sont accrochés ici, et il y a une partie qui est des nôtres. Puis normalement, dans la saison, on a une plage où on peut aller marcher sur le bord du Kuskokwim, et puis mettre nos bateaux à l'eau ici. Et puis on a des escaliers à mettre en place, les escaliers qui sont ici. Donc ça, on les transporte pour descendre là. Et puis ben voilà, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc ben, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao.